Bienvenue pour ce match de Blood Bowl. Un match qui va opposer des orques contre des humains. C'est vraiment le match-up vraiment très compliqué. Regardez la différence de taille, hein. Ça va être compliqué. Ça. Je sais déjà que ça va être un match dur. En plus, l'entraîneur d'en face a de très très bonnes stats. Là pour l'instant, il était à, je crois, là il est à 6-1-1, je crois, ou 5-1-1, hein, quelque chose comme ça. Et moi je suis à 4-2-1. Et du coup, bah, c'est un match que j'attends parce que je voulais voir si mes humains vont pouvoir du coup affronter ce genre d'équipe en fait. Des équipes avec des 4 de force et c'est vraiment pas évident du coup de gérer ça. En plus, il a quand même le troll qui lui permet du coup de bah, d'apporter une force supérieure. Hein. Il va. Voilà, on imagine déjà le duel entre les deux, hein. Ça va être assez simple. On va du coup les consommer pour chacun l'autre. Je préfère éviter de mettre un 3 quarts sur le troll. Bon, on verra après pendant le match. Mais... Donc j'ai un joueur supplémentaire et en fait tout ce qu'il y a c'est une petite bière. J'ai une petite bière supplémentaire pour affronter les orques. Ça sera je pense bien suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Déjà on peut voir quelque chose, il pleut. Il pleut, du coup bah, je tente un coup de bluff parce que c'était moi qui pouvais choisir l'engagement. Du coup, bah, je choisis que... C'est risqué, hein. Je choisis du coup que c'est mon adversaire qui le prend. Et vous allez voir, ça va être un match vraiment intéressant. Ça va... Je trouve que c'est un de mes meilleurs matchs que j'ai pu faire depuis quelques temps. Donc là, un petit coup de bluff. Et en fait, je vais laisser donc l'engagement à mon adversaire. C'est voilà, c'est risqué. Parce que je peux déjà prendre des blessures, etc. sur la ligne. Ça pourrait être dangereux. Hop. Voilà ma petite défense, hein. Je préfère que le joueur passe sur les côtés, je préfère garder le centre. Du coup bah, ma technique va être comme d'habitude, hein. Ça va être d'essayer de créer le plus de blocs pour espérer faire des blessures parce que c'est vrai que pour l'orque ça peut vite être impactant d'avoir des blessures surtout sur des orques noirs ou des blitzers. Du coup ça va, c'est une team assez... ouais, donc il y a des tacleurs. Voilà, et de toute façon, dès le début, hein, quand j'ai commencé le match, je lui ai écrit, ça va être un gros match. Je savais déjà que ça allait être un gros match, vu les stats et vu... voilà, c'est vraiment deux bons joueurs qui s'affrontent. Et j'aime bien ce genre de match parce que c'est vraiment des matchs à jour égal, du coup, ça va vraiment être chaud. Quoi. Et c'est parti pour l'engagement. Tous les jours, d'accord. Ça m'embête, il va être sous. Ça, au début, ça m'embêtait et après, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je préférais qu'il ait le ballon. Comme ça, ça lui fera du coup un blitzer avec garde en moins. Je préfère largement ça que un lanceur. Que le lanceur orc, ouais. Spinning guard, ça fait toujours du coup un joueur de moins, c'est toujours intéressant. Malheureusement, il le rattrape pas du coup. Ouais. Et bah, c'est parti. C'est parti pour les claques. Ah, c'est toujours pareil, hein. On croise les doigts pour que peu de joueurs se blessent. Mon lutteur à chaque fois il prend à chaque fois, ça va, il calme bout pour une fois. Ouais, directement sur le filtre, ouh. Ouh. Parce que si dès le début j'aurais l'ogre blessé, j'aurais fait un peu la tête, ça aurait honnêtement très compliqué, très vraiment le match, ouais. Ouais, il a pas tort, hein. Coller des joueurs c'est intéressant. Il pleut, j'espère qu'il rate son... Ah dommage, c'est bien dommage. Voilà, mon bluff a très bien marché, hein. Ça a marché un tour, malheureusement. Il a récupéré le ballon, bon de toute façon, même s'il l'avait pas récupéré... Oh, ça aurait quand même été compliqué, hein. Franchement, ça aurait pas été bien. Parce qu'il avait quand même bien cerné son équipe, donc... Il aurait fallu que j'investisse en fait beaucoup pour pouvoir ensuite mettre quelques joueurs. Bon, allez, du coup, on va rester sur ma stratégie de base. Hein. On va essayer de bloquer le plus possible. Hein. Si on prend un but, c'est pas très grave. C'est juste d'abord d'essayer d'espérer quand même de blesser des joueurs. Oh. Ah, ça c'est bien quand même. Première armure qui passe. Dommage que derrière il n'y a rien. Pas mal.
Et là, je me rappelle très bien dans le chat, on l'a écrit avec, avec le coach adverse. Au début, il a écrit, voilà, tu passes les armures, et du coup, bah, j'ai écrit 2-1. Parce qu'effectivement, il m'en a blessé une. Enfin, il a craqué une armure, j'en ai craqué deux. Voilà, j'essaie de libérer ce joueur. Regardez, ça, c'est pas mal, hein. Du coup, tout de suite, en fait, je cale deux joueurs sur un seul joueur. Hein. C'est pas grave pour ma garde, mais ça vaut vraiment le coup. Du coup, bah, je reviens sur le centre parce que j'ai quand même. En fait, faut pas non plus que je déséquilibre trop mon équipe parce que si j'investissais trop à gauche, il serait parti du coup bah, au milieu à droite et inversement. Du coup, j'essaie de rester équilibré, surtout que j'ai perdu l'ordre là pour le moment. Un petit bloc indé. On va être un peu obligé, hein. Ça va être le game où que, malheureusement, faire se faire petit. Ah, dommage. Esquive qui rate à 3+. C'est bien dommage parce que derrière j'aurais pu tenter plein de choses. Enfin, non, tenter plein de choses. Enfin, surtout j'aurais pu faire esquiver ce joueur-là qui est en fait sous le. C'est vraiment important. Hein. Parce que vous prenez du coup bah, un risque beaucoup plus grand de blessure. Hein. Oh, et plus il y avait le 3D. Ouais, oh là, mon Dieu. Ah, et c'est la blessure. C'est embêtant, mais tant pis, je suis obligé de laisser pour l'instant. De toute façon, j'ai un joueur supplémentaire, mais ouais, pas bon. Ouais, c'est pas mal, hein. En plus, c'est un tackler, du coup, ouais, ça fait toujours une chance de moins. D'ailleurs. Ah non, j'allais proposer quelque chose, mais. Ah si, est-ce qu'il aurait pas dû plutôt mettre celui-là ici? Avec ce joueur-là. Lui ici. Voilà. Bon, ça va, ça me semble bien. De toute façon, il va protéger avec lui. De toute façon, ça va. En plus, il vient de créer une blessure, du coup, il est pas dans. Il est pas pressé pour le moment. Ça c'est intéressant parce que je peux tenter une folie, mais je pense que c'est un trap. En fait, ce que je peux faire là, c'est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, même pas. Je pensais que je pouvais arriver jusque là-bas, mais même pas en fait. Sinon, j'aurais peut-être pu mettre ce jour-là et taper un dé, mais c'est super, super risqué. Ah si, 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 si. Ah si. Ah si, si, si. Là, j'aurais pu tenter des folies, mais c'est pas bon. Autant de ne pas gâcher ses relances et surtout d'éviter des blessures dès le début. Du coup, je préfère assurer. Hein. C'est vrai, j'aurais pu, hein. J'aurais pu par exemple taper avec celui-là, tenter ensuite. Enfin, s'il tombe, du coup, tenter une esquive et puis se mettre ici. Et faire, bref, tout un délire. Mais non, ça peut être une très bonne idée. Ah, dommage, il tombe pas, du coup, bah. Ah oui, j'ai déjà un petit bloc à faire. Yes! Et là, du coup, dans le chat, bah, j'ai écrit 2-2, Lucie. Au niveau des armures brisées, c'est pas mal. C'est vrai que surtout que c'est du 9 d'armure, hein, c'est quand même vraiment pas la même. Là, le. Ouais, le tackler, il faut pas que je laisse. Ça, si, c'est parfait. Du coup, ça fait du coup deux joueurs qui sont pris par juste un seul, c'est vraiment bien. Et là, qu'est-ce que je vais tenter? Ah oui, le bloc est un dé. C'est un peu dangereux. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai un 4 de force. Hein, et ça fait vraiment du coup la différence. Parce que regardez, du coup, ce que je peux faire, c'est un peu risqué, mais je suis un petit peu obligé. Ouais, je peux pas trop. C'est pas mal, ça tombe. Ouais, je sais que j'ai beaucoup hésité. En fait, j'aurais pu l'avancer, mais sauf qu'en fait, si j'avais avancé, ensuite, bah, il aurait avancé lui-même avec ses joueurs, et ça m'intéresse vraiment pas, quoi. C'est une très très belle esquive, ça fait vraiment plaisir. Surtout que c'est important parce que là ça le gêne en fait, ça le gêne vraiment. Bon, de toute façon il va tomber je pense, mais. Ou pas. Ah, quoi que. Il aurait pu mettre les deux au sol, mais c'était pas forcément très rentable. Surtout que pour l'instant ça va, il est plutôt bien dans la game. Bon, même s'il a perdu un joueur, mais ça va. Dans le combat en fait, je suis. C'est assez compliqué pour moi.
Ah, j'aime bien ce genre de match tendu, c'est vraiment chaud. Ouais, ça c'est malheureusement de temps en temps, je suis obligé de lui laisser des petits bugs comme ça. C'est assez dangereux, mais pas trop le choix. Ah, pareil, j'ai plus qu'à croiser les doigts pour qu'il se blesse pas. C'est pas mal. Le 4 de force, du coup, bah, il est tenu, je peux pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'il aurait été très intéressant que je le back, mais non. Mais il a raison. Il a raison parce que de toute façon, ce joueur-là, entre guillemets, ne servait pas forcément à grand-chose. Donc ce joueur-là, du coup, est bien plus intéressant ailleurs. Ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Alors, je sais pas si j'aurais mis là, mais ouais, c'est intéressant. Voilà, du coup, bah, je suis obligé de tenter des choses, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que juste en un seul blitz, en fait, surtout qu'il a pas de blocage en face, donc il y avait très peu de chances que je ne réussisse pas. Une chance sur 6. Du coup, regardez, la garde, je la mets au centre. Et ça va vraiment être pas mal, parce que du coup, ça me permet du coup de lui mettre une très grosse pression. À partir de là, ça va être chaud pour lui, quoi. Ouh. Ouh. Aïe, aïe, aïe. J'ai eu la chance, hein. J'ai eu de la chance que ça s'est pas fait juste avant sur le bloc parce que j'aurais été un petit peu embêté, on va dire. Ah, c'est dommage quand même, je perds ma relance sur ce coup-là, du coup je peux moins tenter de choses, mais c'est pas grave. Allez, ça c'est pas mal. Attends, les gardes, qu'est-ce que c'est fort quand même. Du coup, même avec mes deux de. Ah, j'ai laissé mon. Voilà, je suis obligé de tenter, hein. Je suis obligé de tenter de débloquer un dé, je sais que c'est méga risqué. Alors là pareil, j'ai hésité et je crois qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Et effectivement, c'est pas une très très bonne idée parce que. En fait, je sais pas trop. Moi là ce que je fais c'est que je lui mets du coup une très grosse pression. Je lui dis oh, vas-y, je vais le laisser là, de toute façon. Je pense pas qu'il va tenter quelque chose quoi. Je me dis que ça va. Franchement, il y a vraiment énormément de joueurs qui sont autour. Et il le tente quand même. Et oui, ça, remarque, il a raison. Là, c'est vraiment de ma faute parce que j'aurais dû. En fait, là, c'est sûr, il pouvait largement le tenter. Et j'aurais dû. Ben, en fait, j'aurais dû mettre ailleurs le joueur. Hein. Et je voulais pas qu'il protège, entre guillemets, son. Enfin, voilà. Quoi qu'il arrive, j'étais embêté. Et malheureusement, bah, il sort. Surtout que c'est mon 4 d'agi. Ouais, mon 4 d'agi, c'est très important, je le garde. Ouh, ça va. Je prends pas de blessure sur ce coup-là. J'ai quand même assez de la chance, quand même. Ça aurait pu être pire. C'est pas mal, ça passe. Ça, c'est pas très grave parce que du coup, j'ai en fait. Mais il a raison, c'était là qu'il fallait le mettre quoi. Yes, ça c'est bon. Mais mon adversaire est gourmand quand même. Hein. Il est vachement gourmand parce que. Ah, c'est quand même risqué. Je trouve que c'est une situation assez risquée. Surtout que je trouve que derrière j'ai beaucoup de solutions. Ah, ça c'est parfait, hein, ça tient. Il va laisser la pilule. Hein. Du coup, bah. Faut dire ce que je vais faire, bah voilà. C'est directement du coup mettre ce joueur-là entre les deux, comme ça je vais pouvoir tenter un bloc et garder celui-ci sur lui. Donc voilà, donc là il va falloir jouer malin, parce qu'il y a moyen quand même de pouvoir l'attaquer, d'attaquer le méchant. Donc là, à mon avis, ouais, c'est ça, je vais taper avec lui là. J'aime pas trop ça, mais de toute façon. Hein. Un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est. Ouais. Ah, il fallait que je le lève. Hein, ouais, ça passe pas, mais c'est pas très grave. Du coup, derrière. Oui, c'est bon. Et comme ça, ensuite, je tape avec lui. Et comme ça me permet de libérer déjà ce joueur-là. Voilà, comme ça je peux le coller et ensuite je tape avec lui pour espérer. Tout ce que j'ai besoin c'est juste de pousser. Comme ça, et ensuite je vais pouvoir tenter une esquive et le faire tomber à coup sûr là avec la lutte. Ah, c'est parfait, en plus ça tombe.
C'est bon, ça reste quand même. Quoi qu'il arrive, il va être embêtant ce joueur parce que ça va être. Ah, je tente le bloc à un dé. Ah bah voyez, je pensais que j'aurais tenté une esquive et tout. Oh, en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup plus safe et. Ah, les deux seuls, c'est dommage. C'est que j'ai hésité à le relancer, je me dis. Ah, c'est pas grave, je vais plutôt le garder pour faire l'esquive. Hein. D'ailleurs, comme quoi, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le tenter, parce que là, si on dit que les deux sols c'est un 2, donc j'aurais réussi, j'aurais raté, et ensuite j'aurais fait donc la relance, j'aurais réussi, et j'aurais pu du coup avoir un 2D. C'est vrai que c'est dommage. J'aurais pu du coup être très agressif, mais j'ai préféré jouer safe. C'est vrai qu'un peu un manque d'agressivité, mais je sais que les 3 plus sont extrêmement durs, je trouve, à. Je trouve que les 3 plus sont vraiment très très durs à faire. Hein. Même si, en fait, c'est vraiment bizarre parce que. Je crois que c'est du coup bien, c'est 67% avec une relance, ça monte vachement haut. Mais je trouve que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut le croire. Hein. Surtout que ça peut être très déterminant sur des passages. Et là, je voulais pas rater cette petite occasion. Et là, du coup, mon adversaire. Attention, il avait pas le choix, je crois. Ouais, j'allais dire, il est encore très gourmand, mais de toute façon, il a pas vraiment le choix en fait. Vu que j'avais collé beaucoup trop de joueurs. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je pense quand même qu'il y avait. Je sais pas s'il y avait moyen peut-être de faire du push-push. Je pense peut-être. Ah, je suis pas sûr. Ah, ça commence à être chaud là. Ça commence à être très chaud pour mon adversaire. Regardez, j'arrive pas à le libérer depuis tout à l'heure. J'essaye, mais mon 4 de force reste bloqué du coup depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal, ça tombe pas. Là, donc ça va être très très intéressant du coup, parce que l'adversaire, il y a beaucoup de gardes autour. Et regardez, un petit mouvement qui est vraiment très sympathique. En plus, il tombe, donc du coup, ça me permet de libérer deux joueurs. Bla. Sauf que je le mets au mauvais endroit. Ah, oh là là, c'est vraiment dommage. Du coup, bah, je dois faire un bloc supplémentaire et c'est toujours un risque. Ouais, ça va, ça passe. Après ça va. Hein. Voilà, du coup, on va pouvoir le taper deux fois. C'est que le lutteur ça? Non. Ah, ça passe pas. Mais je me dis c'est pas grave, je vais le retaper avec mon. C'est un peu dangereux comme ce que j'ai fait. Hein. J'aurais peut-être dû relancer quand même sur ça, mais ça va. C'est vrai, je pense aussi que j'aurais peut-être dû le relancer parce que derrière, si je le fais tomber, je l'aurais mis donc ici. Vu que j'arrivais de là. Ah, quoique le ballon ça va peut-être tomber en dessous. En plus il pleut, hein, c'est vraiment un problème. Yes, c'est bien ça. Petite armure qui passe. C'est important parce que du coup derrière il aurait pu facilement faire une esquive et. Alors, regarde, en plus le ballon, où est-ce qu'il tombe? Là, je pense, petite erreur de ma part, j'aurais dû, je pense, suivre. J'aurais dû suivre à mon avis. Parce que là il va pouvoir me le recoller et malheureusement j'ai rien pour faire. Que si je l'avais suivi. Bah oui, c'était très bien parce que du coup, là il aurait dû tenter un bloc à un dé et c'est toujours un peu dangereux. Ouais, là je pense que je fais une erreur, c'est vraiment dommage. Surtout, bah ouais, derrière, j'ai pas vu, mais il y a le troll, il va pouvoir du coup le. Ah, je vois mon esquive. Yes, vous avez vu, hein, les esquives, c'est vraiment pas si évident à se penser du 3+. Bon, de toute façon, là, même avec un elfe, je l'aurais raté de toute façon. Donc là, bah pareil, hein, je prends pas de risque. J'aurais pu tenter de go for it, mais j'ai peur que le ballon parte quelque part et pour l'instant je me trouve plutôt bien, j'ai pas besoin du coup de prendre de risques. C'est vraiment pas mal, hein, cette défense c'est vraiment pas mal. Du coup, bah, il va essayer de faire ce qu'il peut. Et hop là, eh oui. Très mal joué de ma part, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, il a raison, il lui faut du monde là. Il faut qu'il mette de la pression, il faut pas que je puisse récupérer le ballon facilement. C'était. Oh. C'était assez évident, du coup je me retrouve. Bah ouais, ah, plus l'armure passe, c'est vrai. C'est dommage. Parce que même si c'était pas passé, j'aurais pu du coup avoir un bloc à donner, du coup taper avec l'ogre
Et ouais, ça pourrait être cool. Ça aurait pu être cool. Alors du coup, situation donc très intéressante pour moi. Alors là, je sais que j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais faire. J'avais en fait deux plans, donc c'est soit partir à droite, ou soit... Parce que le problème, c'est qu'il me reste plus que trois tours en fait. Hein. Il faut que je fonce. Hein. Et là, du coup, je pense que... Mais encore une fois, je pense vraiment que j'ai manqué d'agressivité quand même dans ce match. Du coup, je tente le bloc 1D, je suis obligé. Comme ça, derrière, ça me permet avec... Voilà, avec mon joueur de pouvoir frapper ce joueur. Alors que tout ça... Ah, d'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas tombé. Ah non, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y avait quelqu'un à côté. Ah non, non, c'est vrai que putain, s'il était... Ah ouais, ça aurait tout changé. S'il était tombé, j'aurais pu du coup... Ah non, j'étais coincé, il y avait le ballon, c'est vrai. C'est vrai, en fait, je me suis retrouvé du coup dans une situation très compliquée parce qu'il y avait le ballon qui était ici, donc je pouvais pas revenir en fait par la gauche. En fait, ma seule solution... Ah non, c'était trop compliqué, hein. J'aurais dû tenter un 2D contre, mais ah non, ça ne se fait pas. Je trouve ça beaucoup trop risqué. Quoique... Du coup, bah ouais, bah, je vais essayer de le bloquer. Là, c'est mon petit lutteur, mais malheureusement, j'arrive pas à le faire tomber, c'est pas très grave. Du coup, les joueurs sont bloqués. Et là, bah, je croise les doigts parce qu'il y a, malheureusement, il y a la pluie en fait. Hein. Il y a la pluie, du coup, je suis à du 4+ pour le ramassage. Ouh, et ça passe. Nice. Je me rappelle même avoir hésité à lancer le ballon parce que j'aime pas trop la situation que je suis. Et là, ouais, il faut qu'il tombe parce que. Franchement, là, l'esquive aurait été très facile à faire en fait. Sauf que malheureusement, voilà, il me reste que 2 tours, je vais rien pouvoir en faire malheureusement. Lui, par contre, il a encore des solutions. D'ailleurs, non, là je pense qu'il va essayer plutôt de créer le surplus. Parce que je me dis. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il tente quelque chose en fait? Parce que de toute façon, je ne peux plus marquer en fait à partir de là. Je sais pas. Donc là, non, il va plutôt tenter en fait de. Bah, de me coincer en fait. Ouais, c'est nice, hein. Comme ça, ensuite, après, il pourra tenter un massage. Ouais, ça, si ça passe bien. Voilà, il est normal, il le met dessous. Il a raison, et c'est vachement important parce que là, en fait, si je veux tenter une esquive ou un truc, je peux rater le ballon et derrière, il peut le ramasser et ça se fait, hein, franchement. Et puis, il lui reste encore une relance, donc c'est là, il faut maintenant que je protège le ballon. Hein. Eux, là, ils ont fait leur combat de leur vie, ils ne bougent pas depuis tout à l'heure. Ah. Ça ne passe pas, tant mieux, parce que je pense que ça aurait pu vraiment m'embêter tout ça. Du coup, bah, on va encore devoir du coup, utiliser de stratégie, hein. Donc il faut prendre des risques, des petits risques bien sûr, hein, pas des gros. Donc là, je tente le bloc 1D, en plus j'étais vraiment coincé parce que s'il tombe pas, en fait, bah, lui il était pas, il n'aurait pas été libéré. Donc là, est-ce que j'ai un petit plan? Jusque là, comme ça me permet en fait de libérer ce joueur-là s'il tombe. Et ça va, par chance, ça tombe bien. Voilà, nickel, comme ça je vais pouvoir blitzer et pouvoir me sauver pour qu'il ne puisse pas marquer ce tour-ci. Et surtout cette mi-temps-là, et ça c'est vraiment très très bon pour moi. Pas mal. On est bien. Voilà, du coup ça devrait être bon, hein. Franchement si... Voilà, en plus il tombe, c'est parfait. Je tiens donc ces deux joueurs-là, donc là il faudrait qu'ils tentent une folie pour ramasser le ballon. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'ailleurs? Parce que ce ramasseur est pas là. Ouais, il pourrait tenter une folie, mais il faudrait que... Ah, en plus, ah oui, j'ai sonné donc le tacleur, ça c'est une très très bonne chose. Mais c'est ça aussi, hein, je pense que j'ai beaucoup beaucoup tapé, et forcément, même avec du 9 d'armure, forcément. Il y a un moment, ça va passer. Ah, les vilains, ça y est. Il s'est relevé, du coup j'ai pu mettre une petite claque au troll. Là, du coup, ce tour-ci, ça me fait un peu peur. J'ai quand même laissé beaucoup de gens en contact. Je suis très inquiet là. Hein. Beaucoup trop de gens en contact. Je vais risque de prendre des blessures. Enfin, peut-être pas des blessures, mais.
Yes. Quoique, j'ai 8 d'armure. Oh. Non, ils sont 4 de force. Ouais, le 4 de force, il est vraiment énorme. Oh, il le sauve avec l'apothicaire, il a raison, hein, il a raison. Là, s'il veut gagner le match, il doit le sauver parce que derrière, sinon, il se retrouve vraiment handicapé en fait. Hein. Parce qu'après, j'ai juste à lui coller un joueur par. Je lui ai collé un joueur par joueur et. Faire du. Qu'on appelle ça? Faire du. Oh mince, je ne trouve plus le terme. Coller à la ceinture, non. Coller à la culotte, je ne sais plus comment on dit. Bon, bah, du coup, là, il n'y a plus rien à perdre parce que. Bah, il ne peut plus rien faire, du coup, bah, je vais tenter quelque chose. Je vais essayer, du coup, d'en blesser un. Ça pourrait vraiment être très avantageux hein, si j'arrive à en blesser un juste avant parce que. Malheureusement, ça va, cette défense était bien, mais je me retrouve quand même à 11 joueurs pour l'instant. Et je vais essayer du coup de lui casser un orc noir, ça va être très intéressant. Avec un vieux 3 quarts, ce sera bien plus rentable. KO. J'aurais pu me faire sortir deux fois là, j'ai même fait deux doubles pour dire c'est vraiment formidable. Donc KO, c'est vraiment bien, c'est plutôt rentable. Malheureusement, pas tant que ça, du coup. Ça va dépendre, il faut juste, faut vraiment pas qu'il revienne. S'il revient pas, c'est rentable, sinon, bah. C'est pas bon, on va pas se mentir, c'est pas bon du tout. Hein. Franchement, première mi-temps, très très bonne de ma part, je trouve. Mon adversaire a été légèrement gourmand quand même, c'est vrai qu'à un moment, il a reçu beaucoup de pression et il a. Et il s'est donc. Enfin, c'est vrai qu'il a essayé de tenir plusieurs tours, mais. Bon, ouais. C'était du coup dangereux. C'était dangereux et du coup, bah, ça a payé. J'ai réussi du coup à faire 0-0, donc ça s'annonce vachement bien pour la seconde mi-temps. Sauf, voilà, le petit détail, c'est que. Ah, c'est vrai, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait montrer. Il s'est relevé, malheureusement, et du coup, je me suis fait ban un joueur. Il est en prison. Parce qu'il fait des choses illicites sur le terrain. Du coup, bah, ça me met la pression. Hein. Et vu la première mi-temps, je sais que mon adversaire est un bon joueur. Du coup, bah, le corps à corps, malheureusement, ne va pas être bon pour moi. Et c'est vrai que du coup, ça m'a mis un peu la pression. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, il faut que je marque assez rapidement. Et ensuite, espérer faire une très bonne défense. Là où je serais plutôt le meilleur. Parce que là, malheureusement, dans la défense, il va pouvoir très facilement me tenir. Hein. Et surtout que j'ai perdu un joueur, c'est vraiment important. Et ensuite, les deux joueurs qui me restent, ce sont des receveurs. Ils n'ont que deux de force et bah c'est pas évident hein, quand en face il y a des quatre de force. Du coup, bah voilà, je vais tenter. Je vais tenter d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que j'ai bien fait de partir sur un côté comme ça? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah si, 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 il a blocage. J'allais dire, en fait, le problème, c'est qu'il y a. Ah, là, vous échangez un 3-4 contre un lanceur, et je pense que vous préférez largement mettre là. Mais c'est mieux. C'est mieux, et d'ailleurs, mais pourquoi j'ai pas mis de joueur sur le côté? Non, mais. Oh, les fautes. Les fautes de débutant, quoi. Blizzard, c'est pas possible, le temps. Donc en première mi-temps, j'avais donc laissé. Ah, ça m'arrange vraiment pas ça parce que du coup, bah, le truc des humains, c'est qu'ils sont plus rapides et là, du coup, bah, ça annule en fait ma rapidité. Malheureusement, il va pouvoir me chasser très facilement. Donc là, bah, je suis pas très content. En plus, j'ai utilisé donc le 4 de force. Ah non, ouais, j'ai peur. Ah, ouais, ça par contre, c'est vraiment embêtant parce qu'en fait, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais sûrement pouvoir le coucher, etc. Ou peut-être même le faire tomber, ça a été formidable comme ça. Mais là, le problème, c'est que du coup, ça va laisser un espace. Et là, vu que l'attaque va être vers la droite, c'est assez dangereux, quoi. Du coup, bah. Là là. Du coup, ce mauvais temps me met vraiment. Et je pense, j'ai fait des erreurs là. Déjà d'une, j'aurais dû échanger. Et parce que le but, en fait, c'était du coup de percer celui-là. Sauf que j'ai pas compté les cases et il me manque juste une seule case. Et maintenant qu'il y a un mauvais temps, c'est pas possible. Hein. Les 3 de plus sont. Enfin, je sais que ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment très très dur à faire, les 3 de plus. 3 de plus plutôt. Du coup, bah, on commence un peu à préparer le terrain. Et du coup, bah, je décide de tenter un bloc et un dé. C'est encore une fois, c'est dangereux.
Et malheureusement, pas de chance, hein, ça tombe pas. Ça m'embête beaucoup parce que là, bah, soyons honnêtes, hein, il peut facilement me. Il va. 1, 2, 3, il va mettre ce joueur ici. Là, il va le faire. Il va le mettre là-bas et je vais, il va m'en sortir un, là, c'est sûr. Du coup, bah, je dis, bon, bah, tant pis, je vais le mettre là. Hein. Je pense que j'ai bien fait comme ça va éviter. Sinon, qu'est-ce qu'il faudra? Non, là, il faut qu'il investisse beaucoup pour le faire, pour le faire sortir. Du coup, je ne pense pas qu'il va le faire. Ça me paraît assez risqué. Voilà, comme ça me permet en fait du coup directement de. C'est dommage encore une fois, hein. Si j'avais bien placé mes joueurs, hein, j'aurais peut-être gagné peut-être une. Ah, quoi que, c'est pareil, je crois. Mais c'est bien, c'est parfait. Du coup, j'ai infiltré un joueur, c'est ce que je voulais. Il y a toujours. Ah oui. J'ai eu, hein, les 3 de plus, c'est compliqué quand même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce joueur-là, à la base, je voulais le mettre ici, parce que je savais qu'il y avait une fenêtre ici, qu'il y avait quand même moyen qu'il vienne m'embêter. Mais sauf que je me suis dit. Je me suis dit, ouais, mais si je loupe en fait le ramassage de ballon, je préfère quand même avoir plus de joueurs de ce côté gauche. Parce que sinon, il va m'enfoncer par la gauche et je vais être très embêté, surtout que tous mes joueurs sont partis sur le côté. Du coup, ça s'annonce pas très très bon quand même. Hein. Il a raison. Hein. Directement, il tente le blocage parce qu'il sait que si ça passe derrière, beaucoup de choses vont passer en fait. Hein. Oh là là, en plus il le sonne, c'est pas bon. Ça sent vraiment pas bon là. Ah, c'est dommage, la première mi-temps était vraiment très très bonne et là, le ramassage raté qui me met du coup un peu dans la merde parce que. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de toute façon? Donc là, lui, c'est une garde donc il ne le tire pas. Donc il faut mettre un autre joueur ici. Ah ouais, c'est bon. Avec ce joueur-là, c'est bon, il va pouvoir taper avec lui. Et de toute façon. Non, ça va. De toute façon, il l'aurait pas pu. Ah, non. Non, il aurait. Non, il aurait pas pu. Il aurait pas pu, en fait, venir me chercher sans faire de. Non, non, ouais. Est-ce que c'était bloqué, en fait? Ah, quoique. S'il mettait celui-là, là. Et qu'ensuite, il tapait. Ah non, il pouvait pas taper un dé parce qu'il y avait la garde qui était là, donc. Ah mais lui il a pas encore bougé. Donc il aurait pu taper lui. Ah si il y avait moyen. S'il le faisait tomber en plus. Tac. Et je crois qu'il pouvait blitzer par ici et venir par là je crois. Oh ça tombe pas, ça c'est vraiment très bien. J'ai besoin de ça. Et du coup bah ouais voilà, avec son gobelin, bah, forcément il va le tenter, il a raison. Il faut le tenter. L'esquive qui passe, 3 puces, ça a failli rater. Ouf, et le petit ramassage à 4+ qui passe aussi. Ah, franchement, c'est pas mal. Hein. Ah, le gobelin qui me met la pression du coup. Ouf. Ah, il a raison. Il a raison de relancer parce que là, ça pouvait être vraiment très 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 fort si lui il le faisait tomber. Derrière, il aurait donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, là, ça aurait été vraiment excellent en fait. Il m'aurait vraiment bloqué. J'ai de la malchance en même temps de la chance. C'est très bizarre. Beaucoup de malchance sur le ramassage et sur le centre qui est bien placé. Donc là, je suis assez embêté parce que le petit gobelin a récupéré le ballon et malheureusement, c'est un problème en fait. C'est un problème. Du coup, bah là, c'est chaud. Hein. On va pas se mentir, c'est ultra chaud. Hein. Oh, regardez, d'ailleurs, cet ogre, ça fait plus de 8 matchs, je crois, ou 6 matchs, et j'arrive pas à le faire évoluer. Il a pris rien du tout, quoi. Ah, c'est quand même fou. Pourtant, je tape, mais il se passe rien. Malheureusement, il se passe rien. Enfin, après, je lui fais pas non plus confiance. C'est vrai que je le tape juste pour quelques trucs, mais pas beaucoup non plus. D'accord. Donc là, je tente. Ah, oh, ça, j'avais peur, par contre. Hein. Parce que là, vu comment je sens que le. Je sais pas, il y a un truc qui se tourne, je sens que ça. Ça rate et regardez, j'aurais encore raté si j'avais un 3 de plus, hein, c'est fou. Hein. C'est vraiment important d'avoir du 2 de plus, hein, ça a pas l'air. Et là, j'avais peur parce qu'il avait le tacle et du coup, le coup du double 1. Hein. Donc là, c'est parfait. Ce que je vais tenter, c'est un bon dommage du coup, parce que j'aurais pu ensuite blitzer et ensuite aller jusqu'à là-bas pour aller chercher l'autre joueur. Mais. Parce qu'en fait, je voulais avoir une fenêtre sur ce joueur-là, en fait, et du coup, partir marquer. Quoi. Ça passe pas, mais ça, c'est pas grave du tout. Parce que derrière, j'ai mon blitzer qui va taper du coup à 3D. Donc là, j'ai totalement confiance en lui. Yes. Ouh, on va pas se mentir.
J'avais un peu chaud parce que si j'utilise ma relance maintenant, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire ce que j'ai à faire. Franchement, c'est pas mal. J'ai rattrapé la situation. Ah, dommage. Ah, je dis ça, mais en fait, ça change strictement rien parce que de toute façon, j'ai quand même perdu une case en. Je vais perdre une case en revenant en arrière. Ouh, je suis obligé. Je suis obligé. Il faut tenter. Et tout ce que j'avais besoin, c'était juste de le pousser. Comme ça, je veux ensuite derrière. Je voulais en fait bloquer sa défense. Du coup, c'est pas grave. Là, j'ai. Là, de toute façon, je suis obligé de tenter quelque chose. Hein. Je me sens pas très bien. Il y a beaucoup trop de joueurs de libre qui va être libéré. Je vais prendre une grosse. C'est vrai que j'aurais pu reculer en arrière et tout, mais mes joueurs sont mal placés. J'ai pas très bien attaqué. Enfin, on va dire que ça s'est pas non plus très bien passé. Donc là, j'ai pas d'autre solution. C'est bah ouais, tenter de lancer avec le lanceur humain. Et on sait comment les lanceurs humains sont pas bons du tout. Ils sont pas très bons. Enfin, d'ailleurs, dans Blood Bowl 3, ils seront bien là. Ça y est. Allez, le ramassage au moins. Oh là là, c'est pas possible, j'avais encore raté. Oh. Ah, le 3 de plus, ça me va pas. Hein. Là, du coup, ça va être excellent. Hein. Si j'arrive à lui transmettre à ce joueur-là, du coup, j'ai deux solutions. T'as transmettre. Du coup, à lui lancer, parce que je crois que je suis à une case. Attendez, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à une case. Du coup, je préfère lancer parce que vu que c'est, bah, y a le temps, malheureusement, sinon j'aurais fait un transfert. Et j'aurais couru comme une bitch. Donc là, il y a un truc très intéressant. Je vais pouvoir donc du coup le lancer et ensuite le transférer à lui. Et là, c'est ciao. Du coup, je pourrais même gratter. Ça se trouve plusieurs tours. Hein. Enfin, peut-être. Vu qu'il y a le temps, il y a peut-être moyen du coup de faire quelque chose derrière. Allez, croisons les doigts. Regardez, c'est beau, c'est beau. Il est prêt, il est si prêt. Et en plus, ah oui, non, mais je ne vous ai pas raconté. Regardez. En fait, il a 5 sur 6 et depuis plusieurs matchs, pareil, j'arrive pas à le faire évoluer, quoi. Et là, je suis enfin content, je vais enfin réussir à le faire évoluer. Une petite passe tranquille qui devrait passer, enfin, j'espère surtout. Regardez, même la passe imprécise me troll, je fais un 1. Ah là, terrible, j'ai fait 3 plus, c'est trop dur. 2-2. Encore, ça aurait été sur la réception, j'aurais compris, mais là. Ah, terrible. Parce que du coup, je ne peux pas évoluer avec ce joueur, quoi. Ah oui, de toute façon, s'il rate. Ah, le ballon tombe, bah. Pas bien du tout, hein. Il a énormément de joueurs libres et il va pouvoir, du coup, très très facilement récupérer le ballon. Ah, Blood Bowl. Mais c'est ça qu'on adore dans ce jeu, hein. Oui, il va faire un petit push-pouce, c'est parfait. Ça, en plus, il va pouvoir libérer son joueur, c'est vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est nice, là, il est vraiment bien. Voilà, en plus c'est son tacleur qui va du coup je pense, me tenir la jambe. Il me tient la jambe. Ça veut dire tenir la jambe, ça, cette compétence. Donc là, bah ouais, mon adversaire fait le taf. Il a raison, il sait ce qu'il a à faire. Il doit, voilà, bien sûr protéger ce côté, parce qu'on sait jamais le petit malin s'il y arrive. Oh, très beau ramassage, hein. Le 3+. C'est facile quand c'est mon adversaire. Ah là là, et en plus j'ai un KO, mon Dieu. Voilà, ça y est, là je commence à pas être bien. Et du coup, là je sais, hein, je sais, il me faut ce joueur et je peux pas laisser un KO comme ça. Tant pis, je prends des risques. Mais là, si le joueur sort, je ne peux plus. En fait, je suis à moins 2. À moins 2, pour moi, c'est là que ça commence à être critique. Et à moins 3, vous ne revenez plus. Avec des joueurs. Déjà, avec un joueur qui a une équipe beaucoup plus forte, enfin, avec des 4 de force, et si en plus vous êtes à moins 3, c'est bon, vous revenez plus contre un joueur qui a le même niveau que vous, c'est bon. Et là, je sais qu'en face, c'est un très très bon joueur, donc je sais qu'il fera pas d'erreur, ou du moins qui n'en fera très très peu. Oh, décidément, ce petit gobelin, quelle épine dans le pied, hein! Parce que du coup, j'ai dû utiliser mon Blitz et compagnie, enfin, ça a été très compliqué cette histoire, hein. Ah, ça y est, enfin, ouais, je vais le faire tomber. Tiens, prends ça! Et en plus, il se blesse! Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit un truc, mais mon adversaire, son équipe s'appelle Je veux du soleil. Et du coup, on se retrouvait avec de la pluie et du blizzard. Ouais. Du coup, je comprends parfaitement le nom de son équipe. Effectivement, moi aussi, j'aurais voulu beaucoup de soleil. Je suis extrêmement déçu. C'est un très bon move parce que ça me permet du coup de libérer deux joueurs et c'était vraiment important. Et derrière, je vais même pouvoir taper le petit orque noir. Ouais, et là-bas, non, bah ouais. Hein.
Parce que le problème, c'est que là, on sait déjà ce qui va se passer. Hein. Il va partir à gauche. Il a 4 joueurs qui puissent, qui puissent, qui puissent, qui puissent. Il y a 4 joueurs qui l'entourent, c'est parfait. Il a juste avancé tranquillement, il n'a rien à faire d'autre. Du coup, bah. Ah, dommage, il ne tombe pas, ça m'embête beaucoup. Parce que du coup, il va refaire venir lui, il va le taper, et du coup, je vais être collé, je pourrais pas bouger. Alors, il fait bien le taf. On essaye. Ouf, ouf, j'ai réussi une esquive à 3 plus. Bah, comme quoi, c'était pas si compliqué en fait. C'était pas si compliqué. Voilà, la prédiction était simple. Là, il va taper avec un tacleur. Tout à fait normal. Il le bouge. C'est nice. C'est ça, c'est parfait. Du coup, maintenant, il n'a plus qu'à avancer. Il a beaucoup de tours devant lui. Du coup, il n'a pas besoin de se précipiter en fait. Il a juste besoin de faire un petit carré mignon. Mignon tout gentil. Ouais, ça c'est bien joué, hein. J'aurais fait exactement la même parce qu'en fait, si l'ogre tombe, c'est vraiment très embêtant. Alors que là, s'il tombait pas, j'aurais pu lui mettre une certaine pression. Et là, il faut. C'est pas grave, quoi qu'il arrive, il va se servir d'un joueur. Comme ça va lui permettre de libérer 2 joueurs derrière. Ah, en plus, ça tombe, c'est excellent pour lui, hein. Là, du coup, il me bloque 2 joueurs. Vraiment excellent pour lui. Bleu. Ah non, 4 de force. Là c'est chaud parce que j'ai plus d'apothicaire, hein, donc j'avoue que je fais extrêmement attention. Ça me fait peur. Je suis humain et les humains, bah, ils ont que 8 d'armure. Hein. Ah, il tombe pas. Ça m'embête parce que du coup bah ça fait un joueur de libre. Du coup bah j'essaie de coller certains joueurs pour tenir une pression, mais faut pas se mentir, ça va être compliqué. Ouais, c'est dangereux, j'essaie du coup de lui mettre de lui faire des jets de dés pour que on verra. Je tente le coup, c'est. Ouais, j'avoue, je sais pas trop quoi penser de mon mouvement parce que je trouve ça quand même extrêmement risqué quand même. Parce que derrière, en fait, si ça tombe, il va pouvoir du coup bah, me tenir très facilement en fait. Et vu que c'est des 3 d'agi, c'est une catastrophe. C'est très compliqué à esquiver. Du coup, bah voilà, je lui mets de la pression, j'essaie vraiment qu'il soit très embêté. Ah, ça m'embête vraiment ce joueur-là qui. Je pense qu'est-ce que j'ai mal joué ou pas, parce qu'il était où déjà ce jour-là? Je sais plus où qu'il était. Je pense que j'aurais dû le mettre et blitzer d'une façon qu'il reste sur lui en fait. J'ai vraiment très mal joué. Ouh, une esquive qui passe. Beau gosse. Enfin, un 3 plus qui passe, ouais. Et là, je fais une erreur, mais vraiment bête. Vous allez voir. Bon là ça va, ça passe. En plus c'était ouais, il a blé le blocage. Donc. Oh non! Oh le chaos. Voilà, ça y est, je suis donc à moins 3, c'est fini. Là, à moins 3, vous ne revenez plus. Ah non, moins 2, pardon, excusez-moi, moins 2, j'ai menti. J'ai que du coup parce que. Ouais, j'avais un joueur de. Un joueur en remplaçant, donc c'est bon, je suis qu'à moins 2 pour l'instant. Et oui. C'est con, mais il a tellement peu joué du match que je l'ai complètement oublié. Pourtant, il est grand, il est là, et je l'ai complètement oublié. Du coup, bah, bêtement, il me met ici, il a raison. Hein, là, je suis du coup, il me bloque 2 joueurs et je vais devoir du coup tenter des esquives et on sait comme c'est dur. Ah, il se débarrasse d'abord de mon. Ouais, c'est bien joué, franchement. C'est exactement ça. En plus, ça passe bien, les GT là passent vachement bien. Ah, il suit. Intéressant. En même temps, c'est vrai que je suis obligé de tenter des choses pour prendre des risques. Il veut, et ouais, là, il le tient en prison. Il veut pas que ce 4 de force bouge. Alors, c'est un peu dommage, mais. Ouais, ça passe bien. Yes, ça, c'est bien. Hein, qu'il tombe, qu'il soit façonné, c'est important. Voilà, là, j'ai un bon petit coup à jouer, là. Du coup, c'est ma garde, je le relève. Et là, j'ai plus qu'à espérer que du coup j'ai juste à faire une esquive
et tenter donc le. Ça devrait du coup normalement assez bien passer. Et ensuite, je pourrais tenter du coup d'autres folies si ça passe bien avec ces joueurs-là. Enfin, il y a un coup à jouer là, je pense. Il y a un coup à jouer. Bon, dommage que l'on serait là-bas par contre. Mais là, il y a moyen de récupérer le ballon et peut-être faire des dingueries avec. Enfin, on verra. Donc là, je relève les joueurs, bien sûr. Oh, l'esquive qui rate. Je la retente, bien sûr. Et ça rate encore. Ah, franchement, c'est vraiment dommage parce que c'était un très bon match, je trouve. Il était vraiment bien, mais. Allez, j'ai délai mon. C'était une catastrophe. La deuxième mi-temps, c'est vraiment catastrophique. Hein. C'est pour ça, les 3 plus, c'est vraiment très très dur. Hein. Ce n'est pas du 67% de réussite. Hein. C'est du 20% à peu près, j'irais, voire même du 30. Parce qu'en fait, les actions sont très cruciales, 7%. Et du coup, ben, si vous ratez ça derrière, c'est une catastrophe. En plus, derrière, ben, il est sonné. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. Bon, ben, là, il va pouvoir avancer tranquille. Hein. Oh là 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 là, terrible. Terrible, terrible, terrible. Ah là, je n'ai plus aucun espoir là. Le match est fini. Est-ce qu'il va tenter de le frapper? Oh, ah voyons. Il veut plus voir personne sur le terrain. Il en a marre de ces humains. Ça va, ça tient. Surtout que j'ai plus de. Ah, ça c'est très bien ça. Il a extrêmement. Enfin, il a raison, c'est ce qu'il fallait faire. Comme ça, il reste dessous et c'est pas grave. Bon bah, j'ai même pas le temps de parler. Je rate l'esquive. Et je la rate encore. J'avais donc un dernier. Oh non, me dis pas qu'il se blesse en plus. Ouf. En fait, j'avais un dernier espoir, c'était du coup bah, de taper en faisant une esquive sur donc, le lanceur. Et ensuite, bah, on sait jamais, hein, un petit ballon qui va un peu loin, un peu trop loin. Imaginez, je le fais tomber ici, il tombe là, lui il n'arrive pas à le rattraper, il va ici, je récupère le ballon et ciao. Malheureusement, faut pas rêver. Tout ça, c'est l'ordre du fantasme. Mais là, bon, bah, là c'est GG, hein, j'ai écrit GG dans le chat. Hein, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire, et surtout maintenant, je dois croiser les doigts pour que mes joueurs se blessent pas. Hein. Bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est juste que c'est vrai que c'est dommage que la deuxième mi-temps, elle a été un peu. Gâché par mes très très mauvais jets de dés quoi. Malheureusement. Hein. Après on pourra dire oui en première mi-temps, t'as eu quand même des jets intéressants sur les armures des orques, mais j'ai beaucoup tapé en première mi-temps. Je pense que j'ai même tapé peut-être pas deux fois plus, mais je pense que bien plus que lui. Ça on verra. On verra les stats, vous verrez, vous verrez. Regardez tous ces cadavres partout qui traînent. C'est une catastrophe. Ah, c'est cool, il a bien tenu. Ah, bah oui. Ah, ça, si c'est pour ensuite tomber derrière. Bravo. Oh, il est blessé, mon Dieu, secours. Oh. Ah, ouais, parce que là c'est terrible. Hein, si je me prends une blessure maintenant, surtout que le match va être plié. Donc, là, je me dis non, faut pas que je prenne une blessure maintenant, quoi. Oh, lui, par contre, fais-toi cadeau. Hein. Si tu veux blesser l'ogre. Ça, c'est bien, par contre, qu'il ne se blesse pas. Je suis très content. Bon, lui, tu peux y aller. Bon bah voilà. Bon, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. Du coup maintenant ça va être les petits blocs de l'espoir. On va essayer de. On va essayer bien sûr de blesser, hein, vu que ça fait plus de, je crois, 8 matchs. On regardera après les stats, ça c'est intéressant, mais tous les matchs qu'il a fait sans pouvoir blesser quelqu'un. Oh, voilà. C'est ça en fait, il a beaucoup brisé d'armure, il n'a jamais blessé quelqu'un. Et laissez-moi faire des esquives! Oh! C'est pas mal, franchement. Je trouve que les humains, au niveau esquive, ils sont plutôt très très bons quand même. Franchement, cette esquive, elle était vraiment très très belle. Hein. Je pense même qu'il y a peut-être moyen de rattraper le joueur orc, à mon avis. Il va se faire surprendre, je pense. Et c'est comme d'ailleurs je parlais dans le match, je sais pas si vous vous rappelez donc du match d'avant, et c'est exactement du coup ce que je disais, c'est qu'en fait les 4 d'agis ça fait
tellement, mais tellement le taf. On l'a clairement vu dans ce match, hein. Déjà, dans le match d'avant, je réussis du coup à récupérer la balle à l'adversaire comme ça, en fait, hein, et j'arrive du coup ensuite à me barrer sur un 2+. Sinon, je ne serais pas sorti pareil et j'aurais du coup pris sûrement un touchdown derrière alors que j'aurais pu marquer. Et ça, c'est terrible. Hein. Mais voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'on adore ce jeu. Hein. C'est pas... Oh le salaud! Il a raison, il sait très bien que la prochaine fois que je vais l'affronter, ça sera pas pareil. Il n'aura pas autant de chance! Et du coup, je le battrai! Et du coup, il a raison, il doit blesser mes joueurs parce que c'est important en fait. Hein. Parce que en plus, celui-là, il va up. Il faut du coup qu'il blesse les joueurs parce que voilà, il risque de me rencontrer. C'est très important. Ça fait plaisir ça! Et paf! Ah, il aurait dû le blesser, ça aurait été tellement beaucoup plus drôle. Dommage. Surtout que c'était. Ouais, bon, ça va, c'était un petit receveur. Ouais. Ah, dommage, j'avais une casse près, franchement. Du coup, on va faire pareil, hein. On va rendre l'appareil. Hein. On va rendre l'appareil quand même, c'est tout à fait normal. Il faut savoir se respecter, donc. C'est tout à fait normal. Magnifique. Paf dans la corne. L'arbitre, j'ai fait deux agressions, deux sorties. Laissez-moi tranquille. Quel cauchemar cet arbitre. Quel cauchemar. Bravo à mon adversaire du coup. Je veux du soleil. Qui s'appelle Rovieli. 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 Oh là là, elles sont toujours magnifiques ces femmes orques. Bah bien joué à lui, moi je trouve qu'il a bien joué, qu'il a fait ce qu'il fallait. Hein. Alors c'est sûr, oui, en deuxième mi-temps, c'est vrai que je fais une mi-temps catastrophique, mais franchement, c'était un très très bon match, moi je trouve. Oh, c'est cool, je l'aime bien, lui. Panzer. On va regarder du coup les statistiques, vous allez voir, c'est très intéressant, regardez. Je fais donc 45 47 blocages à 51. Donc c'est pour vous dire comment j'ai énormément, du coup, j'ai tapé bien plus que mon adversaire, parce que... Ce qui s'est passé, c'est que c'est surtout en fait la deuxième mi-temps qui a été catastrophique pour moi, où j'ai eu très peu de blocage. Et que mon adversaire devait être, à mon avis, à je dirais au moins une quinzaine, voire une. Parce qu'il y a eu beaucoup de. Genre, par exemple, comme le receveur ou qui s'est fait taper beaucoup de fois, ça a engendré du coup d'autres blocages. Et je pense que mon adversaire devait être au moins facile à 15 blocages derrière moi, quoi. C'est pour ça, du coup, j'ai beaucoup tapé. Et c'est pour ça que j'ai été récompensé sur les blessures. Après, c'est vrai que. À la fin, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, par contre, sur les armures, on va regarder. Ouais, ça va. Je m'en sors quand même assez bien, par contre, du coup. Bon, après, le match ne devait pas être comme ça, parce que j'ai quand même tapé beaucoup plus. Mais là, bon, à la fin, on voit quand même que ça va. Sur les armures, je m'en sors quand même bien. Il a fait... Ouais, c'est vrai que ça va. Sur ça, il a pas été non plus très gâté. Oh, là, faut que je regarde mes esquives. Ah, attention, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Oh là 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 là. J'ai fait quand même du 50% sur les esquives, c'est horrible. Horrible. Ah, c'est vraiment chaud, j'ai vraiment raté une esquive sur deux, quoi. C'est terrible. Hein. Alors j'ai du 3 de plus, relançable en plus à chaque fois. Terrible, terrible. Ouais, c'est vrai que l'ogre, on l'a, y a pas eu de problème. Les ramassages, 40%. Au secours. La passe 0%, bon c'est normal c'était une passe, mais 0%, mais quel cauchemar mes statistiques, ouais. Bon bah écoutez, ça va, ça a été, et derrière mon adversaire, bon, on va essayer de, pas mal, un gros débile franchement, 9 sur 0, c'était pas mal, hein. Réception, il a tenté une, ah non j'allais dire il a tenté une passe, mais non c'était, ah oui c'était tout au début, le maître paquet par contre, ah ouais mais 50%, ouais c'est vrai que c'était à cause de, est-ce que j'en ai tenté, je crois que j'en ai pas tenté il me semble. Oh bravo à moi, putain, alors là j'en ai pas tenté une seule fois et ça c'est très très bien franchement. Ah ouais, c'est vraiment beau. Parce que c'est vrai qu'on a toujours des fois un peu de mal, les mettre plaqués c'est pas bien, mais on les fait quand même, on sait qu'on a besoin des fois de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire pour essayer de me rassurer? Eh bah regardez les ramassages, 100%. Une sous la pluie, une a du 4+, et une autre, je crois ça va, a du 3+, donc celle-là encore elle était tout à fait normale. Au niveau des DG, allez, on va essayer de se rassurer. Hein. Voilà, j'ai fait 23-1 contre 16-1. Ouais. Après,
après commencer léger. Non, j'ai fait beaucoup de 5 par contre. Enfin voilà, bon voilà, du coup il n'y a rien à dire. Ah oui, on voulait voir du coup l'ogre, on va regarder ça. Du coup, bah. On va aller voir mon équipe. Hop, effectif. On va regarder combien il a de match parce que c'est quand même impressionnant. Hein. J'arrive pas à le monter. Alors, est-ce que c'est moi qui. J'ai fait 38 blocages réussis. Sur 8 matchs, c'est. Ouais, c'est pas non plus beaucoup, mais c'est quand même pas mal. On va comparer avec les blitzers. On va regarder du coup si c'est moi peut-être qui fait peut-être pas assez confiance. Non, 53, ça va, franchement, 53. C'est pas non plus monstrueux. Après, je peux marquer des touchdowns et compagnie avec les joueurs. Je sais plus c'est lequel que j'ai regardé. 45, ouais, je suis. Non, pourtant, je suis pas si. Pas si loin, ça. Bon, on voit quand même que je ne fais pas très confiance à mon dog. Mais c'est tout à fait normal. 45. Oh, on va regarder le lanceur. Voilà, si le lanceur fait plus que l'ogre, effectivement, c'est que j'ai peut-être un problème. Non, là, je pense pas. Il a lui doit être à 20. 13, ouais, c'est tout à fait normal. Bah voilà, du coup, pour ce match, hein, franchement, qui était vraiment très intéressant. Une superbe première mi-temps. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, j'ai pas pu jouer tout à fait comme je voulais. Mais c'est le risque des humains, hein, c'est ça. C'est vrai que. C'est ça, c'est les risques. Hein. Si vous faites du 3 plus souvent et du coup, bah, ça engendre des risques. Surtout que je me suis, je pense, précipité sur la deuxième mi-temps. J'aurais peut-être dû jouer un peu plus, peut-être la bagarre, mais je sais pas. Je me sentais pas très en confiance sur ça. Ouais. Surtout que derrière, il avait donc deux tacleurs, donc il aurait pu très facilement choper mes receveurs si j'aurais voulu, par exemple, me sauver. Après, on sait pas. On sait pas du coup lequel match s'est arrêté. Bah voilà pour ce match. Je vous dis donc à bientôt.